Allez, on se retrouve dans les stands aujourd'hui, les stands du NSC. Il y a beaucoup de monde qui fait de la pratique du tout-terrain, du buggy 1/8. Et aujourd'hui, on va parler outillage. Alors, on connaît les outils MIP. Ceci, avec le manche orange, on sait les caractéristiques. Ici, quand la couleur est pleine, c'est des BTR plates qui existent en 1,5, 2. 2,5, hein. Il y a des couleurs en fonction des diamètres. On a aussi toute la série rayée, c'est des BTR tête boule qui permettent de prendre de l'angle quand on bricole sur les châssis, notamment par exemple pour le vissage du moteur, etc. Les BTR boule, c'est hyper pratique. Voilà. Alors, on a une opportunité aujourd'hui, la Black Edition à 529 $. Je crois qu'elle est sold out, on la trouve plus. C'est la boîte à outils MIP Black Edition. Alors, dans cette boîte à outils, on retrouve toutes les tailles. Alors, il y a des tailles américaines et des tailles européennes. Le 0,50, le 1/16, le 9 mm, 1,5, 1,3, 2. Alors, soit en plat, soit en tête boule. On a ici les réglages des biellettes. Alors, ce sont des pièces, il y a la couleur qui détermine la taille. Ici, on a le 3,7, le 4, le 5, le 5,5 pour les biellettes. On retrouve ici les clés à tube en 5, 5,5, 7. Ici, c'est un plus gros, c'est le 8. Ici, encore des BTR, toute la gamme. Alors, la particularité, on va en sortir une, c'est ce manche MIP Black Edition. Voilà, qui différencie significativement de tous les MIP qu'on connaît orangés. Donc, c'est un outillage d'extrêmement bonne qualité. Très bonne longévité, hein. Les embouts ils s'abîment quasiment, c'est quasiment inusable. Voilà, les embouts, moi je les ai depuis plusieurs années, je les ai jamais changés. Et pour terminer, cette boîte à outils collector, la Black Edition de MIP, on a tous les embouts visseuses, dévisseuses. Alors on retrouve ici des adaptateurs en 5,5, en 7, et on a aussi ici toutes les BTR qui s'adaptent sur les visseuses, dévisseuses qui sont magnétiques en général. Voilà, avec des petits embouts, et on a aussi toutes les tailles. Voilà de quoi est composée cette boîte à outils MIP, la Black Edition. Celle-ci, elle nous vient tout droit des États-Unis. Voilà, de chez MIP, du très très beau matériel, et c'est vraiment un investissement, parce que je pense que quand on a ce genre de matériel, on le garde de très nombreuses années si on en prend soin et si on l'utilise correctement. Voilà, la Black Edition de MIP. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.